Oui, c'est dommage. C'est moi qui ai sorti d'album, j'ai fait des... Attends, tu vois, tu vois un petit peu... T'as un rosier, là, qui va rosier. Ouais. Tiens, regarde. Qui l'a dessiné? Miam, miam. Konnichiwa, Pone desu. Et kyou wa kore kara otto no jikka e douga no satsuei ni itte kimasu. Otto wa mou saki ni itte shokuji o shite iru node, watashi wa sono ato no dezato to matcha ni sanka suru yotei desu. Jitsu wa watashi wa suu nen hodo mae kara otto no jikka to wa soen ni shite mashita. で、どうして今回夫の実家に行くことになったかと言いますと、私の動画を見てくれた義理の母からうちを撮影してもいいよという提案があったからなんです。今回は私がこの動画を始めたということで、いいきっかけになったのではないかなと思っています。なので今日はこれから、義理の両親の家に行って、お庭ですとか、もちろん家の中の義理の母が集めたいろいろなものですとかを撮って、皆さんにご紹介したいなと思ってます。では行ってきます。C'est sûr, bah oui, c'est pas assez fou. Voilà. Ça va être trop tard. Voilà, voilà. C'est du boulot. Hein. Alors, Fête de thon poêlé. P.O. E accent circonflexe, L E. Bon, voilà. C'est mignon. Voilà, place du chef. C'est bon. Miam miam. C'est bon. Là voilà, c'est de ton poêlé du chef. Mes dernières cueillettes de framboises de ce matin. Voilà. Ah, c'est ça. Je me souviens ça. Tu les as achetées à la brocante. Oui, oui, oui. Ah, tu te souviens? Elles sont très fines, elles sont pas mal. J'ai un peu moins de rythme, peut-être.
prendre un peu de gâteau de billet pour goûter, voilà. T'en veux encore ou... Non, non, ça tu va. Tu veux de l'éclair ou pas? Un petit peu de tarte. Les framboises sont un petit peu amères. D'accord. Merci. Les framboises sont un peu amères. Des fromages sont amers, attends, j'ai goûté. Non, mais oui, c'est, oui. C'est mangeable. C'est mangeable, c'est bizarre que le... Mais ça leur a fini sur sa première aspiration. Tu veux qu'on te serve de ton gâteau? Oui. L'été, ils doivent être traumatisés. À Château-Renard. À Château-Renard. Là. On a encore, c'est pas encore. Là, t'as un rosier. Et puis, donc, j'ai fait un petit parterre. Les fleurs. Ça, c'est des campanules. Campanules ? Oui. Mufliers. Des ça. Si vous les donnerez encore. Oui, oui, c'est mignon, joli. Et si tu veux, il y a aussi de l'ail qui fait comme ça, pareil, des grosses. Ah. En beaucoup plus gros. Donc ça c'est de la lavande, hein. C'est ah, de la lavande. Ok. Ça, tu sais, c'est, on voit ça au bord de la mer beaucoup. C'est, on voit plus facilement. Oula, ah ouais d'accord. Donc... Et là, changer, mais il y a tellement de choses à faire. Sur le haut, parfois, tu as des peintes qui sont pas très chères. Ça, hein, bien sur le haut. Ah oui. 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 On va enlever la radio. Oh, ouais. C'est pas des peintes. Oui. Ça va? Oui, ça va, oui, ça va bien. Oui, ça va, c'est bon. Bien. Ok. Bon. ここにある戸棚に入っている食器を見せてもらおうと思ってます。OK, alors, tu vas me montrer? Ah oui, je vais te montrer la vaisselle. Oui. J'ai beaucoup de vaisselle, et notamment donc, tout un service de... Donc, des années 1930, hein, c'est la porcelaine de Limoges. Oui, avec il y a beaucoup d'assiettes, de tout ça. Ça, il y a des soupières. Des soupières aussi? Oui, de. Enfin bon, on peut, ça peut être un légumier qui, avec le couvert, voilà, des assiettes anglaises, là. Georgian Collection. Georgian Collection. Voilà, oui, qui sont... Voilà. Ah oui, les assiettes bretonnes, là. Bretagne, non. De Quimper, donc... c'est intéressant, ça. Oui, ben c'est un... C'est assez connu, là. Donc, il y a une grande assiette, et puis deux... avec des... Non, c'est des bulots, ça. Ah oui. Un couteau, et puis... une coque. Une petite... oui, des coques. Voilà, et puis une étoile de mer. Et Quimper, c'est des ambios. Ambios, mais il y a beaucoup d'assiettes. C'est quoi? Ambios, c'est le fabricant. Ah, fabricant. Oui, oui, c'est la marque. C'est la marque.
capucine. C'est le modèle capucine. Ben oui, c'est des capucines. Voilà. Donc, c'est des... J'aime beaucoup ça. Voilà. C'est joli. Oui, c'est... J'en sais pas beaucoup. Et tu as trouvé où, ça? Dans les brocantes. C'est tout ce qu'on avait autrefois dans... à la maison, et, mais je ne sais pas, mais il y en a beaucoup, beaucoup en... Il y a un autre service là qui est assez joli. Ça c'est du Lunéville. Ça, exactement, ça j'ai cherché. Comment ? Je cherche. C'est des Lunéville, ça. C'est très populaire. Donc il y a les toutes petites qui sont festonnées. Oui, celles-là sont très jolies. Il y en a des grandes avec un feston. Sinjirarena. Combien y arrive-t-il ? Avec des fleurs différentes. Voilà. C'est les mêmes. C'est encore différent. Et donc il y en a des grandes sans. C'est là, mais sans dentelle, le bord dentelle. Des fleurs différentes. Oui, c'est aussi des fleurs différentes. C'est de la vannerie, c'est un motif de vannerie. Ici. Oui, de vannerie. C'est différent. Parce que moi, j'ai le noir, couleur, ukiborino, ça, c'est les assiettes révolutionnaires. Vive la liberté. Et c'est Saint-Amand. Asaïra, ça s'appelle. Asaïra. C'est quoi Asaïra? Asaïra, la chanson révolutionnaire, c'est Asaïra, Asaïra, Asaïra. Ah, d'accord. Et donc, chaque fois avec un motif différent. La montagne, c'est... Oh oui, la montagne, ça... Ça, c'est vivre la liberté sans licence. Ça, c'est à la montagne, ça, c'est Asaïra. Ça, c'est vivre la nation. Vive la nation. Et ça, c'est la constitution. Constitution. Voilà. Et ça... La montagne, il y avait les montagnards. Mais il faut les laver à la main, celle-là, parce que sinon, c'est elles sont... Ça va pas. Ça s'appelle comment? C'est un set de table. Set de table. Et puis, on met une assiette, grande assiette. Oui, là, ça peut être pour les hors-d'œuvre, où ça fait... Assiette à dessert, assiette à fromage, là, il y a les couteaux, et ça c'est un monogramme, mais en fait ce sont les initiales des familles. Et on met comme ça? On met comme ça. Là, il y a des porte-couteaux en... Oui, c'est réversible. Hein. De l'autre côté, c'est un autre. Oh. Ça s'allume, peut-être que c'est un passage, je ne sais pas ce que ça donne.
c'est presque. Ouais, ouais. J'ai la nappe aussi. Et quoi va servir? Voilà, qui sont marquées de ville ou sel. C'est ma grand-mère. Ah. C'est un chauffe-plat. Tu vois là. Enfin, tu vois, tu peux mettre de l'eau chaude. Je doute quand même que tu puisses, que ce soit très... Et puis ça vient de... C'est des reproductions d'art étrusque. Étrusque en italien. Bon, c'est des copies hein, que j'ai achetées dans les boutiques, mais ça c'est du chêne. C'est du chêne. C'était quoi? Ce sont des serres livres. Ah. Il y avait du marbre dessus. Mmh. C'était sur du marbre. Mmh. Et c'est pour ranger, serrer des livres. C'est des serre-livres, tu vois, c'est une petite bonne femme qui lit. Deux petites bonnes femmes. Ah, oui. Ça, j'aime beaucoup, ces petites bonnes femmes. Mais il y avait un truc là, c'était pas du tout... et c'est moi qui le monte. Alors, c'est-à-dire que tu trouves ça j'ai et trouvé ça, c'est avec un... Il y avait une sorte de petite coupelle que j'ai enlevée et j'ai... Mais tu vois, après... Ah, ok, d'accord. Oui, mais après, j'ai... Mais il suffirait de mettre de la colle très forte, et puis ça tient. Et puis, ce que j'aime bien, c'est l'abat-jour doré. C'est des appliques, on pourrait les monter électriquement. Dans une recyclerie. Alors c'est marqué, c'est un... C'est Fielding. Ah bah, j'ai acheté ça. Oui. Et puis ensuite j'ai mis un truc là. J'ai n'y avait pas ça. Non. Ah, c'est d'accord. Moi qui l'ai faite toute seule. Oh, superbe. Ouais, c'est beau. Hein. Ah, moi je l'aime. J'en ai deux si tu veux. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a deux. Et c'est quoi moi? Ah. Je pense que c'est du bronze. J'ai acheté ça très peu cher, mais tu vois là, c'est incrusté en cuivre. J'ai acheté ça dans une brocante, j'ai dû payer ça. C'est pas des olives, je pense pas. C'est un crapaud, c'est un petit crapaud. Quand on était jeune marié. Hein, hein? Ah oui. Et on en avait acheté deux. Et je viens de le faire retapisser. Donc il a retrouvé une nouvelle jeunesse, il a 50 ans, on l'a acheté il y a 50 ans. Une petite chaise basque, on dit. Basque? Oh, c'est pas très bien. Moussiron, oui. Kounis, c'est mon talent, non. Nani monai. Non, nani monai. Bizarre, oui. Les trous qui ont été bouchés, mais il y avait c'était à double étage. C'est très joli.
c'est un tube. C'est pas, oui. On avait acheté ça à Chartres. Il est cassé, donc ça fait longtemps que j'avais pas joué, hein, c'est pas bien. Ça, c'est une grosse bécasse, c'est la bécasse la plus grosse que j'ai. Elle pesait 370 grammes. Ouais. Je chassais avec mon épagneul breton Owen, qui était mon deuxième épagneul breton, dans la forêt du Trait, qui est sur les coteaux de la Seine, en bordure de Seine. Ça devait être, c'était au mois de novembre, je pense, oui. Il y a très longtemps. Hein. J'ai 85 ans maintenant, c'était il y a à peu près 25 ans. Quand tu me demandes, j'ai arrêté de chasser la bécasse il y a à peu près, lors du décès de mon deuxième épagneul breton, c'est-à-dire qui s'appelait Owen, il y a une dizaine d'années à peu près, 10-15 ans. Là. Pour la bécasse, alors, mon chat a arrêté la bécasse une première fois. La bécasse devait être à peu près à une vingtaine de mètres à peu près. Mon chien avait un très très bon et très long nez. Et puis alors, la bécasse a dû partir à pattes. Mon chien l'a repéré. Elle a fait un saut de crapaud. Comme... Non, elle n'a pas sauté, non. Elle est partie à pattes. Et, bon, et donc, je l'ai... mon chien a cherché. Et puis, d'un seul coup, j'ai presque marché dessus. Et la bécasse s'est envolée très bruyamment, comme un bombardier, comme il s'appelle. Et c'est là où je l'ai tiré. Et mon chien n'est pas bien arrêté la deuxième fois. Je savais qu'il était pas loin, mais voilà. Donc voilà un bref résumé. これが結婚式の時の写真です。そして、ça y est, 4, 3, 2, 1, 0. Oui.
j'ai gardé le poids.